Salut, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne. Et Noël approche. Et qui dit Noël dit cadeau. Et je vous ai préparé une petite série de 3 vidéos avec 3 emballages cadeaux vraiment sympas. Et le premier est cette petite boîte faite en ruban et en paillettes. Ça vous tente de savoir comment je l'ai fait? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Pour ce premier emballage cadeau, on va partir d'une boîte cylindrique. Et cette boîte, on va venir la customiser avec du ruban. Je commence avec un ruban rouge que je viens attacher en bas de la boîte avec un pistolet à colle. Je prends un outil pour m'aider et éviter de me brûler, parce qu'une brûlure à la colle chaude, c'est vraiment pas agréable. Je viens ensuite faire un petit pli pour faire un peu comme un froufrou, que je viens fixer, toujours avec de la colle chaude. Je continue de fixer le ruban avec la colle. J'avance centimètre par centimètre et je viens faire des petits plis assez régulièrement pour donner vraiment un effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de froufrou. Une fois que j'ai fait tout le tour de la boîte, je viens découper le ruban et je le place ensuite au démarrage de la ligne de froufrou que j'ai fait et j'essaye de le masquer au maximum. Et je répète l'opération ensuite avec un ruban blanc que je viens placer juste au-dessus. Et je viens faire les plis. Cette fois-ci, dans l'autre sens. Et je répète l'opération une deuxième fois avec le ruban rouge. Pour venir masquer la petite bande qui reste juste en haut, je reprends mon ruban blanc, que je viens plier en deux, et je viens le coller sur tout le tour de la boîte. Et j'essaye d'avoir quelque chose le plus possible plaqué contre la boîte. Une fois que c'est bien sec, je viens refermer la boîte et je passe à l'habillage du couvercle. Alors j'ai tenté de réutiliser mon ruban en faisant une espèce de rosace, mais c'était extrêmement moche. Du coup j'ai retiré tout ce que j'ai fait, j'ai pris de la colle blanche que je suis venue répartir sur tout le couvercle. Et j'ai ensuite pris des paillettes rouges que je suis venue saupoudrer généreusement sur tout le haut du couvercle. Oui, cette année, j'ai encore choisi d'utiliser des paillettes. Je vais encore en manger pendant 3 jours, mais c'est pas grave, ça rentre bien. Je viens ensuite reprendre ma colle blanche, que je mets sur le côté du couvercle, et je choisis cette fois-ci d'utiliser des paillettes blanches. On va maintenant s'intéresser à une partie un peu plus décorative. J'ai voulu faire un énorme nœud pour coller juste au-dessus de la boîte. Donc je reprends mes petits rubans, j'ai découpé un petit carré et plein de bandes. Et sur ce petit carré de ruban, je viens plier en deux mes bandes pour faire des petites boucles. Et je viens les coller une à une. Je vous laisse regarder, je trouve ça beaucoup plus simple que d'essayer d'expliquer. Et j'alterne bien évidemment les couleurs entre le rouge et le blanc.
Arrivé à la fin, j'essaye de coller vraiment au plus proche les rubans pour faire quelque chose de plus en plus petit. Et je termine le tout avec une grosse boule rouge pailletée. Je viens ensuite placer le ruban sur le haut du couvercle avec un pistolet à colle. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Tout ce que je vais utiliser est listé dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les deux autres emballages qui arriveront par la suite. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine !